Bonjour à tous. Alors, depuis quelque temps, je vous parle des véhicules roulant au GNL, mais beaucoup de personnes me demandent, mais qui a inventé le GNL? Depuis quand cela date? Comment est fabriqué le GNL? Comment il arrive jusqu'à nos stations? Comment il est transporté? Et comment il fait fonctionner nos moteurs? Alors, toutes ces questions-là, on les regarde en images et on se retrouve juste après. C'est en Italie, au début du XVIIIe siècle, que se trouve un début de réponse. Le physicien Alessandro Volta, l'inventeur de la pile, parvient à isoler la particule de méthane qui deviendra le gaz naturel. Deux siècles plus tard, un procédé cryogénique lui donne la forme d'un liquide clair, transparent et non toxique. C'est aussi plus d'énergie dans un minimum d'espace. Le GNL possède l'une des plus hautes densités énergétiques de tous les combustibles. Son pouvoir calorifique supérieur est d'ailleurs supérieur à celui du fioul de 36%. En plus d'être performant, le GNL est une énergie plus économique que le fioul et son prix est plus stable. Le gaz naturel est extrait du sol. Après extraction, celui-ci est refroidi à moins 160 degrés Celsius pour être liquéfié, diminuant ainsi son volume de 600 fois. Le GNL, gaz naturel liquéfié, est acheminé par navire jusqu'au terminal méthanier. Il est alors stocké dans des cuves, puis chargé dans nos camions Axe Gaz. Ensuite, le GNL est transporté à destination des lieux d'utilisation et transféré dans un satellite pour être stocké. Le GNL est également livré aux stations-service dédiées aux transporteurs routiers. Le gaz naturel, plus largement connu par les particuliers pour cuisiner ou se chauffer, est aujourd'hui utilisé comme gaz carburant pour véhicules. Avant chaque remplissage, il est nécessaire d'effectuer une mise en froid des équipements, c'est-à-dire de faire circuler du GNL pour les refroidir et préserver leur intégrité. Par un phénomène d'échange de chaleur, cette étape conduit à l'évaporation partielle du GNL utilisé, aussi appelé « boil of gas ». Le GNL retourne au réservoir sous forme gazeuse, ce qui fait progressivement monter la pression interne. En cas de surpression, une soupape de sécurité laisse s'échapper le boil of gas, comme le ferait la soupape d'une cocotte minute. Cette perte de gaz constitue un risque en matière de sécurité et d'environnement, mais aussi une perte financière. Elle peut être évitée par une fréquentation régulière de la station, qui permet de réduire, voire supprimer les phases de refroidissement des circuits. À partir de 6 véhicules par heure, la station atteint son état d'équilibre et ne présente plus de risque de boil of gas.
N'oubliez pas de vous abonner ici en bas en cliquant sur ce lien. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les toutes dernières vidéos. Et n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. À très bientôt.